Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Far Cry 3 avec comme objectif de nous rendre ici à l'usine de bois. L'objectif est en cours, mais d'abord nous allons passer ici puisque c'est une zone de chasse au tapir. Et le tapir, on en a besoin. J'ai un petit peu regardé pour, vous le savez, les confections, pouvoir avoir un meilleur sac à butin, un sac à butin plus grand. Et pour ça il faut donc deux pots de tapir. Et donc comme c'est sur le chemin, on va, enfin sur le chemin, c'est à peu près sur le chemin, on va y aller. C'est juste ici, petite zone de chasse. Ça risque d'être bien sympa les amis. Petite session de chasse très 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 rapide. On va en avoir besoin parce que c'est un petit peu la galère. J'ai aussi vendu pas mal d'accessoires que j'avais sur moi, justement de butin. Donc je me suis fait un petit peu plus d'argent et plus de place. Et là franchement on va être vraiment pas mal. Alors là on va se concentrer, on arrive dans la zone de tapir. Aller à l'exploitation de bois, c'est là où nous allons aller, il n'y a pas de souci. On a des gentils là-bas. C'est parfait, et là on est dans la zone de chasse. Alors concentrons-nous. Aussi, alors je suis dégoûté parce que justement ça aurait pu nous être très utile. Je voulais me confectionner une seringue de chasse, instinct du chasseur, parce que j'ai ce qu'il faut et ça nous permet de localiser les animaux. Le problème c'est que je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place, kit de seringue plein. Donc c'est pareil, j'ai pas assez de place. Et je me suis fait un répulsif à animaux. Je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire, donc je me suis fait avoir. Donc là, va falloir ouvrir l'œil. Et être discret. Et trouver du tapir. J'espère qu'on va y aller. Là. On en a un ici. Il nous en faut deux. Hein. Donc on n'a pas intérêt à foirer. Il y en a un deuxième là-bas mais il va fuir. Bon, c'est toujours bon à savoir. Un petit peu cruel hein, ce qu'on va faire. Voilà. Ok bon. Déjà ça en fait un. C'est pas trop mal. Ok. Et de un. Hop, dégueu. Pot de tapir. Le deuxième, et ben voilà, attendez, le deuxième il est pas parti si loin. Alors là on est dans une zone non explorée encore. Oh, j'ai cru qu'il m'avait vu. Mais il est débile ou quoi? Il venait sur moi, magnifique. Et ben c'est un très bon début d'épisode. Ça, ça fait plaisir. Donc là, on va pouvoir se faire le sac à butin robuste. Et par la suite, avec de la peau de dingo, on pourra faire encore mieux, d'accord. Bon, allez, déjà, c'est déjà pas mal. Là, sac à butin. Oh oui, on a déjà beaucoup plus de place. Ça, ça fait plaisir. Bon, voyons voir. Alors, attendez, parce que du coup, notre objectif se situe ici. Et on a une tour radio, là. Donc, on va, évidemment, faire d'abord la tour radio. Bon, les postes de contrôle, on s'en fout. On va vraiment se focus sur l'essentiel, là, tout de suite. On va pas non plus perdre trop de temps. Ok, on voit le pylône radio. Alors c'est bien, je suis content parce que du coup... Attends, parce que là je vais me faire agresser. On va se détendre, hein, messieurs, dames. Pot de tapir, ça commence à bien faire. Hein. Enfin, pot de tapir. Le tapir, ça commence à bien faire. Oh. C'est quoi ça? Une chèvre. Attendez, les chèvres, on en a besoin aussi pour je sais pas quoi. Ça paraît cruel, messieurs, dames. Et ça l'est totalement. Tiens, on va aussi récupérer les plantes, très important. Mais il faut, voilà, il faut faire de la chasse. C'est le jeu qui le veut. Ouais, c'est cruel. Hein. Surtout avec une Kalachnikov. Voilà, je m'en excuse. Hein. Toutes les associations, etc. C'est pas contre vous. C'est pas contre eux. C'est pour mon bien de la survie. Parce que, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Ouais, je disais, c'est cool parce qu'en fait, la map, du coup... Forcément, en 2012, c'était incroyable hein, pour 2012. Genre, c'est gigantesque et tout. Mais en fin de compte, la map n'est pas si grande que ça, bah, surtout pour aujourd'hui. En vrai, la map est pas immense, quoi. Mais pour l'époque, c'était incroyable, hein, c'était la révolution, hein, forcément. Et la map reste relativement... voilà, elle n'est pas non plus petite. Hein. Mais ça va. On a déjà connu plus grand, tu vois. Allez, on récupère toutes les roses de porcelaine. Alors, la prochaine fois, vous évitez de me faire peur, d'accord? Hein, moi, je suis là, je ne fais que de cueillir. Je ne fais que passer. Attendez, bougez pas. Putain de chaleur. Il fait chaud, hein? T'inquiète, le soleil se couche.
Alors regardez comment ça va se passer, ça va aller très vite. Il est con. Aïe. Corps à corps. Eh, hey, combat d'homme. On fait un combat d'homme, hein. Ils avaient pas d'armes, mais c'est qui eux? C'est pas des rebelles ça? Enfin c'est pas des ça à mon avis c'est une milice je sais pas, il y a plusieurs tribus, hein. Ça c'est de toute évidence. Allez. J'ai pas gâché de munitions. Ça, ça fait plaisir. Qu'avons-nous là? Oh, des perroquets. Magnifique. Eh, on va se faire l'avant-poste. On va se faire la tour radio sur le coucher de soleil. Ça va être magnifique. Enfin, du coup, là, le soleil, il est déjà bien parti. On y arrive. L'ascension est rude. On récupère tant qu'on y est toujours un petit peu. Voilà. Alors, c'est relativement calme, hein. Y a pas trop d'ennemis en vrai, hein. Moi, dans mes souvenirs, il y avait quand même beaucoup plus d'ennemis un peu partout, hein. Bon, après, c'est que le début. Mais en vrai, c'est plutôt chill. Allez, let's go. C'est parti pour l'escalade. Franchement, chaque tour avait un modèle d'ascension unique. Et ça, c'est vraiment trop stylé parce qu'il faut vraiment réfléchir à comment faire. Par contre, regardez, ma santé, elle est pas folle, hein. Il me reste plus qu'une barre. Alors, on a ce qu'il faut niveau seringue, hein. Ça, c'est pas un souci. Alors, attends, c'est pas par là. Ok. Ok. T'inquiète pas, je vais aller à l'exploitation de bois. Pas de stress. Il y a point S. Par ici. Oula. Faut pas avoir le vertige, hein. Messieurs, dames. Celle-là, elle est pour nous. Oh, ça c'est pour moi, ça par contre. Voilà, allez, let's go. Tac, tac, pof. Alors, tac, toujours le même mouvement. Magnifique. Et on découvre une nouvelle zone. Ouh. Ça travaille pas mal le bois par ici. Ok. Voilà qui est fait, voilà qui est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Un quad, ok. Pourquoi il me le surligne? Ah oui, ça c'est des défis. C'est des petits mini-jeux aussi. Ouais, bon, on va pas le faire. 3 pylônes sur 18 d'activer, très bien, c'est bon à savoir. Et bah écoutez, on va aller là-bas, c'est parti. Let's go. Et attendez, parce que là, il y a un petit trésor. Alors forcément... Attends, ça je récupère encore. Voilà, le petit trésor, il est pour Bibi. Allez, direction l'objectif. Est-ce qu'on peut faire une belle glissade? Oula, alors là, ça va pas être une glissade, ça va être une cassade de gueule. Let's go. Aïe. Ouais, bon, moi je vais crever, quoi. Allez, le petit stimulant. Magnifique. Très très bon, ça. Très très bon. Attends, on va descendre paisiblement, hein. On va pas faire de la dinguerie. Hop. Voilà. Je me suis bien frotté le sgeg. Oh là. Qu'avons-nous là? Une scierie? Ouais, c'est une scierie. Mais je pense que... Ah bah c'est l'objectif, ok. C'est l'objectif. Alors, aller au point d'observation. Ok. Ok, ok, ok. Oh, ça va être sympa à mon avis. Ça va être bien sympa là. Je la sens bien cette histoire. Je vais couper l'alarme. Ouais, l'alarme, elle est là-bas. Et il y en a qu'une seule. Ça c'est cool parce qu'au début du jeu, c'est très facile. Mais par la suite, ça va être la galère quand il y aura plus d'alarmes. Surtout que il me le montre pas sur le... Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ils sont ultra nombreux là. Peut-être un peu beaucoup là. Bon, couper l'alarme, ça va pas être une mince affaire, hein. Nouveau didacticiel. Eh, on connaît déjà, on a déjà fait. Par contre, ce qui est bon à savoir et que j'avais oublié en effet, portefeuille plein. Ah, trop d'argent. Ce qui est cool, c'est que ça se désactive instantanément l'alarme. Chose qui n'est pas le cas sur le 6ème opus. Déjà fait cramer.
Bon ben, on va s'amuser. Faut vraiment que je me prenne un silencieux, c'est pas possible. Alors attendez, on va passer par le dessus. Peut-être pas la meilleure solution pour couper l'alarme. Mais... on va essayer. On va essayer de faire comme ça. Déjà lui, je peux m'en occuper tranquillement. T'as dit un problème avec les rebelles ? Regarde, je te montre c'est quoi un vrai rebelle. C'est ça. Et hop, je te cache. Ici. Attends, bouge pas, ok. Ok, on devrait arriver facilement à l'alarme. Ça c'est un peu moins cool. Bonsoir. Oh, on y est presque. Par contre lui il va me cramer. Ah non, il dort. Il dort pas. Il a l'air occupé. Alors là j'ai de la chance. Là messieurs dames. Alors là messieurs dames. Entrez dans la cage d'armes, c'est juste ici. Alors là mon pote. Alors là mon pote. Interagissez avec la bombe. Des grenades. C'est pas ça? Là ici. Ok, j'ai 10 secondes pour m'enfuir. Ça va péter! Distance de sécurité! Allez, salut! Regardez, c'est du spectacle, messieurs, dames! Ah, c'est beau! Allez, je me casse. Je me casse. J'ai un jaguar à mes trousses. Attendez, j'ai un jaguar à mes trousses. Attends, ça peut être le bon moment. Attends, ils vont le buter pour moi. Ah ouais, butez-le pour moi, les gars. Attends, ça c'est pour moi. Je peux pas. Ok. Regardez comment ils ont l'air cons. Parce que du coup, je peux partir. Mais moi, j'aimerais bien récupérer la peau de jaguar. Attendez, parce que moi, désolé, mais ça c'est trop important pour moi. Voilà. Désolé, hein, priorité. Voilà. Allez, surtout prends ton temps. Voilà. Kid, tu as fait du beau travail. Et tes amis, comment on peut leur venir en aide? D'après la radio, Vas filme des demandes de rançon à PC. PC? Paretskov. Mais pour nous, c'est Sunsetkov. C'est une de leurs prisons. Compris. N'oublie pas, Jason. La force que tu gagnes en suivant la voie contribuera à ta réussite. Allez! Tant qu'on y est, messieurs, dames, on va se faire un peu plaisir. Ah, ils sont un peu plus nombreux que ce que je croyais. Ça va pas nous empêcher de tous les fumer, hein. Entre nous, hein. De vous à moi, de moi à vous. On est là pour se faire plaisir. Alors par contre la portée de l'AK elle est vraiment pourrie. Oh la vache. On m'a visé aussi, elle est pas folle. Mes munitions non plus, c'est pas fou. Allez. Merci. Parce que là niveau munitions je suis pas bon du tout. Il reste quoi, 4 gars. Attendez, faut que je récupère des munes là, j'ai pas le choix. Hop. Hop, merci pour les munes, hein. Très important. Fouille impossible. Ah, c'est chiant. Let's go. Ah, c'est beau ça. Plus qu'un. Hop, je récupère. Voilà. C'est chez moi ici maintenant. Ah, fallait faire ça proprement les amis, parce que bon quand même,
Voilà, c'est important. Par contre, du coup, je peux plus fouiller les petits trésors là, c'est ça? Ah, oh, c'est relou. Ah, si, voilà, c'est juste que je récupère pas l'argent. Ok. Donc ça, on s'en fout, l'argent, on est blindé. On est riche, les gars. Franchement, on est riche. Alors, oui, je confirme, hein, mes vidéos sont démonétisées. Hein, pour ceux qui se posaient la question, les premiers épisodes, ils sont bel et bien démonétisés. Mais voilà, je suis pas étonné. Hein. Explorer l'île ou rendez-vous. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Bon, attendez, il faut qu'on aille où là, messieurs, dames? Il faut qu'on aille. Ouh, là, c'est une zone très, très dangereuse. Il faut qu'on aille ici. Eh ben, continuons, très bien. Eh ben, on va pas s'en arrêter là, évidemment. On va se faire ce deuxième pylône radio. Mais on est où là, hein? Messieurs, dames, on est là. Je suis aveugle. On est totalement là. On va traverser et on va aller là-bas. Très bien. Les avant-postes, on les fera ultérieurement, hein, je pense. On va direct s'occuper du pylône radio là-bas. Et bien avancer. Et puis très rapidement, parce que j'arrête pas de le dire et on le fait pas, mais très rapidement, il faudra que je me renseigne. Voir comment faire pour éventuellement avoir un silencieux ou quelque chose comme ça. Parce que. Bah, déjà, attendez. Confection. Il nous faut déjà un holster d'armes. Il faut de la peau de chèvre. Voilà. Putain. Sans deck. Et là, il faut du cerf pour faire plus gros. Donc là, déjà, maintenant, je peux avoir deux armes. Ok. Ok. Donc là, je peux avoir deux armes. Laissez-moi vérifier. C'est ça. J'ai un emplacement pour une deuxième arme. C'est déjà pas mal. Mais est-ce que je peux avoir un silencieux sur mon pistolet, sur mon arme? J'ai pas l'impression. Compétence. Je peux m'attribuer un nouveau... alors, adrénaline. Régénération accrue. Maintenez A pour administrer les premiers soins et ressusciter de bas. Sans remède, bien sûr. Très important. Je veux apprendre ça. Oh, j'ai 5 points de compétence. Ok. Gagner une barre de santé en plus, on a déjà. Diminuer les dégâts dus aux explosions. Les barres de santé incomplètes se régénèrent deux fois plus vite, on va le faire. Obtenir une récolte doublée sur les plantes, allez. Nager 25% plus vite, élimination discrète, ça on a déjà. R pour recharger une arme en sprintant. Oh, très important. Allez, plus que deux. Maîtrise des grenades. Pour découper une grenade et relâcher pour lancer. Ah oui, parce que jusqu'à présent ça les lâche automatiquement. Donc hop. Confection des seringues. Exécution par le haut. Oh oui. Oh oui, ça je veux. On va pouvoir faire des éliminations comme on les aime. Oui, messieurs, dames, ça me plaît. Manuel. Attendez. Confidentiel, personnage, arme. AK-47. Ah ok, je pensais qu'il m'expliquerait comment mettre un silencieux. Bon, peut-être qu'on verra ça par... Ah ! Oh la vache ! C'est une blague ! Fous-moi la paix ! Oh, je l'ai eu. Je l'ai fumé. Oh. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie. Oh mais attendez, il y a encore des méchants. Mais non, mais foutez-moi la paix ! Oh, c'est pas vrai. Bon, allez, je m'arrache. J'ai bien compris que c'est mort. Putain, mais j'ai eu tellement peur. Mais genre, vous me voyez encore, hein, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Bon, arrêtez les conneries maintenant. D'accord? Non, mais c'est vrai, quoi. Foutez-moi la paix. Eh. Début d'épisode, je disais, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Ouais, voilà, ça commence. Ça commence, les emmerdes. Explorez l'île ou rendez-vous à Sunset Cove lorsque vous êtes prêt. Ah, bah voilà. C'est là où nous allons. Non, mais ils en ont pas marre, là. Mais genre, ils me voient, là. Ah ouais. Bah, allez-y, suivez-moi, les gars, si vous avez de l'endurance. Donc là, normalement, je peux me soigner. Ah bah, très bien. J'ai utilisé une seringue, c'est pas grave. Allez, on va bien monter. Et franchement, que du bonheur. Que du bonheur, je sais pas ce que vous en pensez de cet épisode, mais là on s'éclate de ouf, je trouve. Que des rebondissements, et c'est ça ce qu'on aime sur Far Cry. C'est ça ce qu'on aime sur Far Cry. Très bien, donc là... Ah oui, non mais ça c'est la tour radio qu'on vient d'activer tout à l'heure. Donc on remonte pour redescendre. Complètement con. C'est pas... Mais si, attendez, il y a une tyrolienne. Non, ouais, non, mais c'est débile.
C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il veut lui? Frère, il y a des dinosaures. C'est quoi ça? C'est des lézards. Putain. Des komodos. Oh, mais avec ça, on va pouvoir confectionner des trucs. Komodo. Hop, bon, visiblement, il me dit rien, donc c'est qu'on peut encore rien confectionner avec, mais ça peut être très utile. Ça peut être très utile. Bon, excusez-moi, là, je suis un petit peu mon petit auriculteur. Allez! Il y a un deltaplane, frérot. Alors là, ça pouvait pas mieux tomber. Je vous le dis, ça pouvait pas mieux tomber. Allez! Nous, on va essayer de pas tomber. Let's go! Wouhou! Zanzation zanzationnel! Ah ouais, non, mais là, c'est bon, on va pouvoir au moins aller jusqu'à l'île au milieu. Au mieux, au pylône. À la tour radio. Bon, ça m'étonnerait en soi. Donc là, on a un avant-poste ici. On a un avant-poste là-bas. Ouais, c'est bon, on va arriver au pylône sans problème. Là, clairement, l'objectif, c'est qu'on voit la map et après, on pourra faire les petits trucs, tu vois. Parce que là, j'ai vraiment envie qu'on se prenne pas trop la tête. Tu vois, et comme ça, on pourra voir vraiment où aller, etc. Ouais, c'est bon, on y arrive sans problème là. C'est génial, il y a un bateau là-bas. Bonjour à vous, les petits avant-postes. Putain, mais en vrai, ça fait tellement du bien. Ça me ravive tellement de souvenirs, les amis. Sans déconner, quoi. C'est voilà. Ça, c'est les vrais jeux à l'époque. Enfin, à l'époque. C'est sur ce genre de jeu que tout a commencé. Et c'est que du bonheur. La mission, elle est juste là à côté, c'est parfait. Magnifique. Non, non, là, on va faire vraiment la tour radio. Eh, attendez, vous croyez qu'on peut tenter un truc? Non, on va peut-être pas atterrir en haut parce que je pourrais atterrir en haut, mais ça sent la couille, non? J'essaye ou pas? Oh, mais les gars, attendez, je peux essayer. Allô? Docteur Erna? Allô, c'est Daisy. J'ai emprunté le téléphone du docteur. Comment ça va? Je me rapproche. Et toi, ça va? Ouais. Le docteur m'a installé dans une grotte sous sa maison. C'est plus sûr à cause des pirates qui passent souvent lui acheter des champis. Mais j'ai trouvé un super truc ici. Faut que tu vois ça. Ok. Je te retrouve plus tard. Avec les autres, j'espère. Super. Bye. Mais oui, on va retrouver les autres. Donc elle est installée dans une grotte chez le docteur Champignon. Incroyable. Il est où le machin? What? Oh les gars! Non, attendez, c'est une blague? Attendez. Attendez. Je peux pas. Je peux pas à cause de ça là? Non, c'est une blague? Je peux pas. Le machin il est juste derrière. Non, c'est une blague. Non, en vrai, c'est une blague. Je peux pas faire le pylône radio à cause de ça là? Non, mais là, c'est une chance que j'ai qui est absolument nulle. Non, mais c'est improbable. Je peux même pas le pousser. Oh, mais quel enfer! Non, c'est une blague. Mais oui, c'est vraiment ça. Alors attendez. Non, c'est vraiment une blague. Les gars, c'est ça ce que j'aime. Oh la vache. Je suis dégoûté. Je suis absolument dégoûté. Ah, il a disparu, c'est bon. Ah bon, les amis, je vous fais une coupure parce que c'est ridicule. Je remonte à tout de suite. Allez, on n'en parle plus. Oh mon dieu, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Franchement, j'avais vraiment pas de chance, hein. Si ça, c'est pas un signe. Si ça, c'est pas un signe. Hop! Peser, remballer. Là aussi, ici, c'est chez nous. Que c'est beau. Que c'est beau. Il y a plein de canons comme ça. Ils ont pas l'air d'être fonctionnels. Incroyable. Bienvenue chez nous. Pylône radio. C'est notre quatrième, je crois. Sur je ne sais plus combien. Ouais, c'est ça. 4 sur 18. Ça va aller très vite en vrai. Maintenant gratuit en magasin. Vous avez vu, on débloque des armes. Ouh là là, mais oui, il faut que j'aille dans un magasin pour avoir un silencieux. Ça y est, je viens de comprendre. Bah oui, c'est vrai. On va pouvoir avoir des silencieux bientôt. Ouh, très dangereux cette zone. D'autant plus ici. Ouh loulou loulou. Ah, bah c'est la zone qu'on a traversée, ça, non?
Ouais, c'est la zone qu'on a traversée. Bah, tu m'étonnes qu'elle est dangereuse. Très bien, on a du sanglier, du jaguar. On a plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Mais là, ce qu'on va faire, messieurs, dames. Ah bah non, on peut pas se taper rapidement ici. Eh bah, c'est pas grave. Je vais aller chez Dr. Reinhardt. Non, il y a pas de magasin là-bas. Attendez. Bah oui, j'allais faire une bêtise. Là, il y a un magasin. Est-ce qu'il y a un magasin à côté là, non? Ok. Je retourne au village d'Amanaki. Et on va aller au magasin. Pour s'en arrêter là, on va aller voir ce qu'ils peuvent nous proposer en magasin. Parce que sinon, on va pas pouvoir continuer les quêtes paisiblement, quoi. Ce serait dommage. Jade, tu as fait du beau travail. Et tes amis, comment on peut leur venir en aide? D'après la radio, Vas filme des demandes de rançon à PC. PC? Frère, il nous a déjà fait le dialogue, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Alors, munitions, bon, ça, on s'en fout. Là, je peux vendre plein de trucs. Donc là. Ah bah je peux pas puisque j'ai trop d'argent. Bah tant mieux. Arme de poing. Arme de poing, oui alors attendez, je m'en fous. En fait moi ce que je veux concrètement c'est par rapport à mon AK. Oh là là les armes. Oh, on va se faire plaisir. Fusil d'assaut, voilà. Mon AK. Aucun accessoire disponible sur cette arme. C'est une blague? Je ne peux que mettre des peintures. D'accord, donc on peut pas mettre d'accessoire sur cette arme. Mais c'est très bon à savoir. Du coup il nous faut une meilleure arme. Déjà attendez, fusil de sniper, voilà. M700 $1800, elle est, les gars. Ouais, parce que ça, c'est un Dragunov. Ça, c'est une vraie arme. Oh. Ça, je prends, hein, les gars. Silencieux. Magasin. Ok, c'est bon. On perd tout notre argent pour un très bon sniper que nous allons équiper d'un silencieux. Mais j'ai pas assez d'argent, mais vous inquiétez pas parce que regardez. Je vais tout vendre. Et j'ai assez d'argent. Oh, j'ai de la chance. Hein. Oh, j'ai vraiment de la chance. Hein. Voilà mon arme. Je lui mets le silencieux. Et il me reste plus que $89. On a tout dépensé d'un coup hein. Lunettes haute puissance, bon ça devrait aller. Magasin on s'en fout. Donc voilà, au moins j'ai toujours mon AK. Mais le plus important c'est d'avoir remplir l'inventaire. Hop, comme ça au moins. Voilà, on a toutes nos munitions. Mais surtout on a notre AK, mais on a notre sniper discret. Et ça c'est cool. Alors regardons voir. Regardons voir à quoi ça ressemble. Vas-y, on sort ton arme quand tu veux. Attends, il faut qu'on s'éloigne un petit peu. Là ça va être sympa là. Bon donc du coup sur la K on peut mettre aucun accessoire. Voilà le... Oh, les souvenirs. C'est bon les gars, les souvenirs là c'est trop là. J'ai envie de chialer quoi. Le viseur orange comme ça. Ceux qui ont joué à Far Cry, on se connaît hein. Oh là là, c'est trop bien. Ça va être super. Mine. Ok, on a débloqué des mines. Incroyable. Ok, bah on va se faire plaisir les amis. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Prochain épisode donc on va aller se rendre juste ici. C'est une blague? Attendez, non mais les gars, je débloque le pylône radio. Il me l'a pas débloqué. Parce que je me suis TP là, ça m'a... Non mais c'est une blague. Mais c'est ridicule. Non mais ça... Alors les sauvegardes sur Far Cry 3 c'est une dinguerie hein. Bon écoutez, je referai ça en off, je vous rassure hein. Mais c'est une blague. Complètement débile. Bon, je vais refaire ça en off et on va se retrouver ici. Du coup, pour le prochain épisode demain. Très bizarre. Très bizarre. Vraiment de la merde. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui lui arrive enfin? Ah, je peux le fouiller en plus. C'est incroyable. Allez! Ah, $1. C'est absolument ridicule. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu des familles. Je vous remercie et à très vite. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.